Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous le savez maintenant, moi je termine avec vous le vendredi. Eh bien, nous sommes le vendredi 19 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, la petite philosophie du matin, agenda. Inscrire dans son agenda, entre ses rendez-vous ou ses obligations, temps pour réfléchir, une demi-heure pour moi, moment pour rêver. Eh bien voilà, petite philosophie pour ce vendredi. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé accepter ce qui est. Ah là 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 là, ça c'est pas facile, hein. Faire un lâcher prise, accepter, mon ego ne veut pas accepter, il n'est pas d'accord, et pourtant mon petit cœur, mon âme dit que je dois accepter, que je dois faire ce travail de lâcher prise et accepter ce qui est, parce qu'il y a des événements où on ne peut rien faire que d'accepter. Cet oracle, n'est-ce pas? Il vous confirme, et il me confirme aussi à moi, il nous confirme que nous n'avons aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Et cela est bien vrai, hein, vous ne pouvez pas changer une personne. C'est à vous à changer, à voir les choses différemment, à faire les choses différemment. Quoi qu'il arrive actuellement, eh bien, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est. Acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Et là, j'en connais certaines que là, c'est difficile, hein. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. Ah, tout ça, c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais ça s'apprend. Ça se travaille en tous les cas. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureuse, heureux, et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, eh bien, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, eh bien, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est, pour certains d'entre vous. C'est peut-être pas facile, mais là, c'est peut-être un moment charnière dans votre vie. Et là, il faut vraiment faire un travail sur vous. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas changer les autres. C'est à vous à changer. Alors, rituel de l'acceptation. Laissez aller les situations qui vous blessent. Une fois que c'est derrière vous et arrêtez de ressasser ça. Sachez faire la part des choses. Par exemple, si quelqu'un vous dit une parole blessante,
sachez que celle-ci parle de sa blessure. Oui, c'est elle. Elle a une blessure intérieure. Elle la reporte sur vous. Cela n'est pas orienté vers vous. Et cessez de tout ramener à vous. Si vous avez des paroles blessantes, des actes blessants, eh bien cette personne, elle est dans un mal-être intérieur et elle reporte ce qu'elle est sur vous. Donc ça ne vous appartient pas. Ça lui appartient à elle. Donc faites un lâcher-prise là-dessus. Alors, utilisez le mantra « Tout est temporaire quand une situation est difficile à vivre ». Rien n'est figé, n'est-ce pas ? Tout est temporaire. Et pour terminer, agissez sur ce que vous pouvez changer concrètement. Cela vous donnera de la force. Cela vous donnera de la confiance et une nouvelle perception de la situation. Et pourquoi pas vous exercer à laisser aller ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Apprenez à faire la différence entre ce que vous pouvez changer et sur ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Savez, si vous acceptez ce qui est, eh bien, votre petit cœur est ouvert et cela vous permet d'avancer, de passer à autre chose. Quel beau message pour terminer cette semaine. Quel beau travail que nous pouvons effectuer journalièrement avec cet oracle. Alors, je termine avec la pensée positive. Et aujourd'hui, j'ai pigé un miracle et la synchronicité en accéléré. Quand je reconnais la synchronicité et travaille avec elle, eh bien, je peux créer des miracles. Belle semaine enrichissante, n'est-ce pas ? Je vous souhaite une excellente journée, un très 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 joli week-end et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Un très joli week-end dans l'amour inconditionnel, le rire, la joie, la bienveillance, l'empathie, la tolérance, l'altruisme. Voilà tout ça et puis ce sont des valeurs que mes parents m'ont inculqué et que j'adore ces valeurs. Et puis, donc voilà, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.